Ouais, mais j'ai plus rien à miser, là. Abruti. L'avion. Bien sûr. Après tout, qu'est-ce que je risque, hein? Je vais te plumer, de toute façon. Que tu crois? T'as quoi à me montrer? Tu peux ramasser tes dents, Blackburn. Ce coup-ci, j'aurais dû t'avoir. Mais tu sais quoi, cet avion, je vais quand même le prendre. Mais qu'est-ce que tu... Putain, c'est quoi, ça? T'as perdu, je t'ai battu! Ouais, je sais, mais le truc, Rackham, c'est que c'est vraiment un putain de bel engin et... Avec toi, t'es une sacrée raclure. Hé, hey, je t'ai battu dans les règles, t'as pigé? Je t'interdis de poser tes sales pattes dessus! Enfoiré de mes deux! T'as pas le droit de me faire ça, je t'ai battu! Je t'ai fait mordre la poussière! Je m'appelle Clyde Blackburn. Je suis pilote et plutôt gros joueur. Je suis Jones, Rackham! Tu sais pas qui t'as affaire, espèce de connard! T'as pas intérêt à toucher à mon avion, t'as compris? Quand on me demande quel est mon plus gros défaut, je réponds que... Je ne suis pas quelqu'un de tout à fait honnête. Bienvenue à bord. Moi, c'est Wilson, mon nom, et tu dois être George Rackham. Ouais, c'est moi, Rackham, ton pilote. C'est parti. On fait décoller cette beauté. Donc t'es George Rackham, le fils du quatrième comte de Windsor? C'est ça. Lui-même, vieille branche. Le Bristol était aussi efficace qu'on le disait. Un vrai plaisir à piloter. Le soleil brillait. Tout aurait été parfait si j'avais été seul à bord. Hé, hey, derrière! C'est une belle journée pour un pique-nique, tu ne trouves pas? D'accord. Tu vois cet avion devant? Il faut que tu le rattrapes. Ouais, ouais! Écoute, je connais un endroit où on pourrait se dégoter des petites françaises. Pourquoi tu me parles de filles? C'est un vol d'essai! Tu dois suivre le trajet que cet avion trace pour toi! D'accord! C'est toi le chef! Apparemment! Maintenant, vois comme l'avion réagit aux manches! Reste tout près de lui! D'accord! Reste à cette distance! Cramponne-toi, Wingnut! Du gâteau! Voyons comment il se débrouille au combat! La sûreté est mise, au cas où t'aurais des idées tordues! Tu commences à me connaître? Tant mieux! Ne laisse pas nous semer! Voyons ce qu'il sait faire d'autre! Le Bristol se comporte comme tous les avions! Réduire les gaz permet de tirer plus serré! Reste sur lui! T'amuses, Wingnut? C'est Wilson! Fais attention, regarde devant toi!
t'as pas vraiment suivi le manuel. Alors jette ce maudit manuel et vis un peu. Où est-ce qu'il va maintenant? Laisse-le. Tu vois ces ballons cibles? Vérification d'armement, feu à volonté. Ça je peux faire. Sur le sol? Ouais, je le vois. Essaie de leur envoyer des roquettes pour te faire une idée du tir sur des cibles au sol. Bien sûr. Pourquoi George Rackham, fils du 4e pont de Windsor, parle-t-il comme un Américain? J'attrape facilement les accents. Je parlerai probablement comme un Français une fois les Allemands battus. Je vois. Tu es quelqu'un de très méfiant, Wilson. On ne te l'a jamais dit? Nom de Dieu! Les Boches, on fait quoi? À ton avis, on les envoie dans le décor. Qu'il en aille autrement. C'est le moteur. Il n'a pas dû apprécier de se faire cravacher. Répare ce que tu pourras depuis l'avant. D'autres Allemands ?
les vois. Accroche-toi à ton petit déjeuner. Je le reconnais, tu sais ce que tu fais. Qu'est-ce que tu crois? Bien sûr que je sais ce que je fais. Où est-ce qu'il va, d'après toi? Par là. Et on se lance à ses trousses. C'est comme ça qu'on a découvert accidentellement où les Allemands entreposaient leurs munitions pour la moitié du front ouest. Et les photos de Wilson allaient aider le QG à préparer un assaut d'ampleur. Avec juste un léger souci. Ça, j'en suis pas si sûr. C'est bon, je te dis. On a fait un super coup. Ça vaut bien une médaille. On n'était pas censé survoler cette zone. Quand le commandant verra ces photos, il sera bien content. C'était un coup de maître. Et on peut le refaire. On va passer un marché. Si tu veux que je ferme ma gueule, alors tu dois me faire la promesse. Que tu me ramèneras en un seul morceau. Ouais, compte sur moi. Jure-le. Je veux ta parole. D'accord, c'est promis. Toi, tu restes ici. Et tiens-toi tranquille, bon Dieu. Entrez. Bon, je l'aimais bien, ce type. Mais il était un peu naïf.
Mathieu, je pense que ceci vaut le coup d'œil. Bonté divine, je veux bien avoir un sacré pilote. C'est sûr, un sacré pilote.